Bom, vamos dar início então à última etapa do colóquio, com a conferência da Denise Merkler, da Université de Moncton, no Canadá. E a conferência dela vai ser, se intitula Patriote et Poète, Léon Pamphile Lemay et William Chapman, traducteur de Longfellow. La légitimation et l'épanouissement d'une littérature nationale canadienne et française. Comme foi feito no caso do Jim, ela vai falar em francês, mas tem uma tradução, eu também posso traduzir, digamos, se houver algum problema, ela vai mostrar também a PowerPoint. Né? Então, eu vou falar rapidamente sobre a Denise Merkler. Ela é professora da Université de Moncton. Ela pesquisa censura e tradução, tradução e minoria, e o sujeito traduzinte. É membro da comissão editorial da revista TTR, que é uma das revistas mais importantes da área da tradução, e do comitê científico de uma coleção recente, mas muito importante, da Bloomsbury Advances in Translation. O perfil da Denise é bem interessante, porque além de ter uma obra autoral, ela tem muito essa preocupação de um trabalho coletivo. Então, ela organizou vários números da TTR e de outras revistas em colaboração com diferentes colegas, tanto do Canadá como de outros países, principalmente com o pessoal da Bélgica, que estão entre os fundadores da disciplina. Entre esses números importantes, né, por exemplo, há um número temático da revista Meta, que é outra revista canadense, e como acontece muito no Canadá, essas revistas, tanto a Meta como a TTR, são revistas bilíngues em inglês e francês, e boa parte desse conteúdo está disponível a livre acesso. Em geral, eles têm uma pequena defasagem de tempo, os últimos números não estão, né? Mas boa parte, por exemplo, da Meta está disponível online em livre acesso. Então, entre esses números, por exemplo, tem um número de 2014, né? Sobre territórios da interculturalidade. Né? Ela colaborou também com o importante manual do Yves Gambier e do Luc van Dorslaars, editado pela John Benjamins, da Holanda, em 4 volumes, que é o Handbook of Translation Studies. E ela também colabora bastante, como eu disse anteriormente, com os pesquisadores da Bélgica, sobretudo com os que seguiram, digamos, os passos do José Lambert, né? Que é o Lieven Durst e a Rene Meirats. Uhum. Então, é um prazer para nós ter você aqui. A Denise, ela mesmo financiou uma parte da viagem, né? É a primeira vez que ela vem para o Brasil. Os canadenses, em geral, vêm bastante, ela é a primeira vez, e é a primeira vez também que ela vem para Fortaleza. Muito obrigada. Muito obrigada, Walter, Robert e Luana. Je regrette. C'est tout ce que je peux dire en portugais. Alors, je vous remercie vivement pour l'invitation de participer à ce colloque qui est vraiment très enrichissant et j'apprends, je commence à comprendre un peu. Je peux dire là que Meta publie également en espagnol, j'ai compris, et peut-être éventuellement en portugais. Alors, ça, c'est à attendre. Là, je commence ma communication. Alors, merci infiniment pour l'invitation et l'hospitalité. Plus proche du micro. Oh, plus proche encore. OK. Je ne suis pas habituée à parler là-dedans. OK. Alors. Là, vous entendez? Ah oui, là, c'est bien. OK, d'accord.
Au 19e siècle, les États-Unis d'Amérique et la colonie britannique au nord, qui deviendra le Canada en 1867. Le Canada? En 1867, sont deux jeunes pays. Toutefois, les États-Unis se considèrent à cette époque comme une nation. Cette dernière se crée une littérature nationale à laquelle s'efforce à se distinguer la littérature britannique. La situation identitaire de la colonie britannique, dont la langue anglaise est dominante sur le plan symbolique, est plus complexe du fait que sa population canadienne-française jouit d'une certaine autonomie linguistique et culturelle. De fait, depuis la conquête de 1759-1763, on parle d'une colonie bilingue et biculturelle, français-anglais. Il n'étonne pas que le républicanisme du voisin du Sud et ses aspirations nationales fassent rêver bon nombre de poètes canadiens-français qui y voient une filiation avec le républicanisme français. Longfellow a signé des histoires épiques racontées en vers, dont Evangeline, A Tale of Acadie, 1847. Léon Pamphile-Lemay traduit cette dernière pour ensuite le publier dans son premier recueil, Essai poétique, publié en 1865. C'est la seule traduction publiée dans le volume, et n'empêche que le poète le retraduit deux fois en 1870 et 1912. Est-ce que vous comprenez un peu ce que j'ai dit? C'est ce qu'on sait, c'est Guy? Ça va? Je ne parle pas trop. D'accord, merci. Mais Longfellow a également écrit de plus courts poèmes. Si Joseph Lenoir a produit La fenêtre ouverte, traduction du poème The Open Window, en 1858, William Chapman écrit d'abord un sonnet en hommage à Longfellow en 1874 et ensuite traduit en français six de ses poèmes, 1876, lesquels sont publiés dans son premier recueil québécoise, 1876. Le poète américain et ses traducteurs canadiens-français puisent leur inspiration dans les grands espaces sauvages, la spiritualité chrétienne et les héros locaux afin de participer à la légitimisation et à l'épanouissement de leur littérature nationale respective. Autant Longfellow que Chapman et Lemay se réclament de la riche tradition littéraire européenne, surtout le romantisme, tout en imprégnant leurs œuvres de couleurs locales pour souligner leurs spécificités nationales respectives. Le romantisme permet aux poètes d'explorer le thème primordial qui est la nature édénique du Nouveau Monde et un lien très fort avec l'idée du nationalisme. Le romantisme soutient que la création littéraire est la preuve de l'existence d'une ethnie distincte et accomplie. Dans cette conférence, je me pencherai sur les traductions produites par deux membres de l'École de Québec, Lemay et Chapman, traducteurs des poèmes de Longfellow, afin de déterminer si ces poèmes canadiens-français ont considéré la création poétique de Longfellow comme exemple de littérature produite par une grande culture prestigieuse qui allait valoriser et épauler la création politique d'une petite culture colonisée et minorisée par une culture dominante. De plus, cette étude se veut une brève sociographie de la trajectoire professionnelle de ces deux poètes ayant fait de la traduction littéraire tout en étant traducteur officiel, c'est-à-dire que nos deux traducteurs de Longfellow ont également travaillé comme traducteurs pour le compte du gouvernement fédéral, c'est-à-dire le colonisateur. J'ai pas le temps d'aborder cette question ici, mais ça crée certaines tensions, certains conflits. Elle se donne comme objectif de contribuer en tant soit peu à combler la pénurie de sociographie moderne identifiée par Daniel Simeoni en 1998. L'objet de la sociographie est l'agent humain, ici les hommes de lettres Pamphile-Lemay et William Chapman, dont la construction de l'identité nécessite l'analyse de comment le sujet historique qui traduit pour d'autres sujets historiques s'imbrique dans l'histoire. Cette recherche empirique s'appuie sur les informations recueillies afin de compiler de l'évidence pour souligner que les poètes jouissaient d'un statut plus prestigieux que celui des simples traducteurs littéraires,
une hypothèse qui n'a rien d'étonnant d'ailleurs et qui ne fait que souligner la secondarisation de la traduction par le système littéraire canadien-français, comme ailleurs d'ailleurs. Selon Ren Mellertz, l'habitus se réfère aux dispositions du sujet, c'est-à-dire le système de structure sociale qu'il a intériorisé. L'inculcation des structures sociales est un processus d'interaction entre structures sociales et agency à travers une variété d'expériences collectives et individuelles, et ce processus dure toute la vie. Les dispositions du sujet traduisant engendrent pratiques, perceptions et attitudes qui sont régulières, mais qui ne sont pas fixes ou invariables. Sous l'influence de la position sociale et de son passé individuel et collectif, tout acteur culturel développe une identité culturelle, c'est-à-dire une certaine représentation du monde et de sa position dans le monde. Nous verrons que les dispositions de Lemay et Chapman engendrent pratiques, perceptions et attitudes qui sont régulières, mais qui ne sont effectivement pas invariables. À vrai dire, je n'ai pas le temps d'aller en beaucoup de détails, ce serait assez superficiel. Sous l'influence de la position sociale sur statut de traducteur officiel et de la passé individuel, le mais plutôt harmonieux, Chapman plutôt tourmenté et collectif, leur affiliation avec l'École littéraire de Québec, et là, les points saillants, ces acteurs culturels ont développé une identité culturelle selon laquelle la poésie est le genre le plus estimé et traduire Longfellow surtout en début de carrière et de bon aloi. Nos sociographies pourront présenter une analyse détaillée et nuancée du fait que la logique du contexte canadien a été étudiée et que nous serons en mesure de tenir compte de la pluralité des champs d'activité de Lemay et de Chapman, de leur disposition et identité. Lemay et Chapman, en tant que sujet traduisant, sont réflexifs et dynamiques. Ces acteurs culturels sont chacun un produit complexe des processus de socialisation multiples véhiculés par une variété d'institutions, famille, école, amis, travail, ville de naissance ou village à l'époque. Si le cadre social de cette étude est national, il est pluriel à cause du bilinguisme du Canada, ce qui fait que les agents interculturels développent des perceptions et pratiques, du moins en partie à travers des habitus transculturels, ici canadien-anglais et canadien-français. Léon Pamphile Lemay. Alors là, ça vous donne une idée, là, l'importance du mouvement, c'est vraiment l'inspiration romantique et historique. Alors, je cite Pamphile Lemay, « Un peuple qui aime sa langue, sa foi et ses coutumes jusqu'au martyr peut bien être accablé, vaincu, tyrannisé, mais il ne saurait périr tout entier. » C'est une référence à Évangeline. Alors, j'ai du mal à le dire en anglais, Évangeline, A Tale of Acadie, de Henry Wadsworth Longfellow, jouit du succès national et international à la suite de sa parution en 1847. Au 19e siècle, le poème qui se présente comme une vaste fresque illustrant le territoire américain est vite considéré comme l'un des canons de la littérature américaine. L'original semble appartenir à l'archive foucauldien du discours expansionniste américain du fait que bon nombre d'Acadiennes et Acadiens s'installe à la suite du grand dérangement. C'est la proclamation royale à la suite du grand dérangement quand les Britanniques envahissent ce qui, après la conquête, s'appelait la Nouvelle-Écosse. Et le Québec n'a pas été conquis. C'était seulement Nouvelle-Écosse, cette partie-là du pays qui a été conquis à ce moment-là, au début. Alors, le grand dérangement en 1752-56 sur les territoires qui deviendra les États-Unis d'Amérique, c'est là où les Acadiens ont été chassés, ou bon nombre des Acadiens, et que c'est sur ce territoire où Évangeline cherche son bien-aimé Gabriel. Il se peut que... Oh, et puis ensuite, ça c'est le Canada à l'heure actuelle. A été
déportés par les Britanniques. Il se peut que la thématique ait même servi en quelque sorte à justifier le rêve expansionniste américain quand le voisin du Sud visait à annexer les colonies britanniques de l'Amérique du Nord, rêve qui devient plus agressif dans les années 1860 et qui pousse les pères de la Confédération à créer un nouveau pays. Or, au Canada français, mais surtout en Acadie, c'est dans le thème de la déportation des Acadiens que prend place cette traduisibilité. Non seulement un Canadien français pouvait-il le traduire, mais le poème cherchait son traducteur au sens benjaminien dans cette population, puisque l'original est en quelque sorte une interprétation, une traduction d'une réalité canadienne, réalité acadienne, bien que assez fidèle d'une réalité qui était étrangère à celle de son auteur. De nos jours, il apparaît évident qu'un poème qui porte sur l'histoire tragique des Acadiens et qui est écrit par un étranger dans la langue du vainqueur en plus, invitait une version française, voire acadienne du poème. Cependant, étant donné l'état de marginalisation et socio-économique aiguë dans lequel vivait cette population au moment de l'apparition de l'original, la tâche de traduction devait être assumée par un Canadien, au sens que le mot avait avant la Confédération. C'était le pays, était le Canada avant d'être vaincu par les Britanniques. Ce sont les Britanniques qui commençaient à s'appeler les Canadiens aux grands dames des vrais Canadiens. Telle est la situation au Bas-Canada où existait déjà l'Université Laval, fondée en 1852, la presse et une industrie de l'édition, si fragile soit-elle. Et quelle est la réalité acadienne à cette époque? Rappelons que quelques années après la parution d'Evangeline aux États et de ses premières traductions en français, l'Acadie entre incontestablement dans une période de grande effervescence nationaliste stimulée et nourrie, du moins en bonne partie, par le discours identitaire canadien-français véhiculé par Pamphile May, entre autres. Or, l'élite acadienne se sert de ce discours identitaire pour affirmer son identité distincte. À la source de l'idéologie nationaliste qui prend forme à cette époque et dont le but est de fonder une praxis sociale qui puisse assurer à la collectivité acadienne une survivance à long terme. S'élabore un discours identitaire particulier fondé sur la langue, la religion, l'origine, les traditions et les coutumes du peuple acadien et surtout sur son histoire que l'on affirme être unique. Et c'est toujours là le point vraiment... identitaire clé là, du peuple acadien, c'est le grand dérangement. Cette histoire dans le discours officiel donne lieu à la création d'un récit commun fondé sur le mythe et plus précisément sur la mythification des trois grandes époques historiques de la nation acadienne, celle de la colonisation, celle de la déportation et celle de la Renaissance acadienne au 19e siècle. Mais du fait de sa marginalisation, le peuple acadien est sous-scolarisé. L'infrastructure socioculturelle est quasi inexistante. Les premiers collèges, journaux et institutions politiques de langue française pour desservir cette communauté verront le jour dans les années 1860 et produiront la première génération d'une élite acadienne composée d'écrivains, d'artistes et de politiciens. Il revient ainsi au traducteur et interprète officiel du Canada uni, Pamphile May, de produire une traduction française au moment où commencent les pourparlers à propos de la Confédération canadienne. Son produit traductif relève toutefois de la manipulation textuelle car c'est une traduction qui accentue le clivage entre les soldats anglais qui incarnent le mal et les Acadiens qui incarnent le bien. En effet, le même mettra l'accent sur la bonté, la pureté, l'innocence, voire la sainteté des Acadiens. Le passé de Léon Pamphile May. Né le 5 janvier 1837, l'année de la résistance des Patriotes, lorsque les tensions entre les Canadiens et la minorité anglaise du Bas-Canada étaient les plus aiguës, Le May est tour à tour poète, romancier et traducteur et ont produit la première traduction en vers d'Evangeline, A Tale of Acadie de Longfellow, qui fait publier à Québec. Il grandit pendant une période difficile de revendication démocratique de la part des Canadiens et passe tout le temps aux États-Unis avant de s'installer définitivement au Canada uni. Avec Louis Fréchette, Alfred Garneau,
on le considère comme un poète majeur du romantisme canadien-français. La période est de 1860 à 90, ainsi qu'un des hommes de lettres les plus estimés de son époque. Or, la production en traduction littéraire de Lemay ne serait pas énorme. Il a signé la traduction en vers de cœur de La Perle cachée, drame en deux actes, du cardinal Wiseman, et la traduction de roman Le chien d'or de William Kirby. Ces deux traductions sont postérieures de sa traduction libre, volontairement cibliste, d'Évangeline de Longfellow. Lemay, poète, aurait préféré vivre de sa plume, mais comme bon nombre d'artistes de tous les temps, il se trouve obligé d'occuper un emploi conventionnel, situation qu'il déplore dans la préface de ses essais poétiques. Toutefois, ces postes ne sont pas sans capital symbolique. Il occupe ainsi la fonction d'interprète-traducteur officiel au Canada, au gouvernement du Canada uni pendant deux ans, 1865 à 67. Après la Confédération, il devient le premier bibliothécaire de la Bibliothèque de législature à Québec, poste qu'il occupe pendant 25 ans. À ce titre, il est responsable de la conservation du patrimoine des archives nationales. Sa poésie, quant à elle, traite du, et je cite, du Bas-Canada traditionnel chrétien, familial et rural. Fin de citation. Selon ses enfants, leur père fut un grand chrétien. Les valeurs des Acadiens, la famille, la religion, les traductions décrites dans le poème de Longfellow semblent avoir touché profondément Pamphile Lemay, qui les étoffe dans sa traduction en ajoutant par exemple les détails sur les vêtements des Acadiennes. Et je cite, sa fille porte encore mantelet, jupon de drogue bleue, bonnet de Normandie. Et sur la présence du vainqueur, je cite, dwells another race with other customs and language, et traduit par on entend murmurer un étrange idiome, on voit jouer hélas le fils d'un étranger. Fin citation. Peu ambitieux ou mondain, plutôt effacé, Lemay n'a pas cherché la reconnaissance publique. Toutefois, il participe à des réunions de sociétés et d'associations diverses. Dans ses rencontres, il récite le plus souvent des poèmes, comme à la Société royale du Canada, dont il est l'un des membres fondateurs en 1882, et fait aussi à l'occasion quelques conférences. Lemay reçoit un doctorat honorifique en lettres de l'Université Laval en 1888 et la rosette d'officier de l'instruction publique de France en 1910. La consécration par la France est très importante pour les Canadiens français à cette époque. Évangeline. L'Évangeline de Lemay paraît donc 18 ans après la parution de l'original, suivie 5 ans plus tard par une retraduction. Un terrain littéraire propice à ces traductions se prépare au Canada français avec la parution en 1854 d'Évangeline de Charles Lévesque, publication qui comprend un abrégé en français du poème. Grâce à l'original et au palimpseste qui se multiplient, le mythe d'Évangeline prend sa place au Canada français. La fille aînée de Lemay, née avant la traduction du poème, porte déjà le nom de Léorine acadienne. On constate ainsi un exemple de création littéraire étrangère qui participe à, voire qui contribue à construire un discours nationaliste identitaire avant la parution de la traduction de Lemay. Les essais poétiques de Lemay paraissent en 1865, Évangeline ouvrant le recueil. Après le passage du poème aux États-Unis, le traducteur récupère envers Alexandrin classique à rime plate, où suivit cette légende acadienne, alors que Longfellow avait écrit son poème épique de 1400 vers en hexamètre dactylique. Marilyn Gaddis Rose avance que la versification de l'original se prête parfaitement à la traduction en alexandrin, ce qui rehausse son prestige dans le système littéraire de la culture cible. La traduction arrive ainsi sur le marché canadien-français avec du capital culturel. C'est une traduction que l'on prendrait pour une création à moins de lire les deux dernières pages de la préface écrite par le poète. Le poète écrit dans ces mots au lecteur, et je cite Évangeline, « Voilà surtout l'ouvrage avec lequel je me présente devant le monde littéraire. » Un commentaire fait par Longfellow dans une lettre envoyée par le poète américain à son traducteur pousse Lemay à retravailler la première version. « There is only one thing that I demur at, » says Longfellow, « namely, you're making my Evangeline die. » Elle avait, et c'est Longfellow qui écrit en français, et c'était un grand linguiste,
elle avait terminé sa malheureuse vie. Je fais citation. Il semble que ce qui l'a également poussé à retravailler sa traduction est son habitude de publier d'abord ses œuvres pour les remanier plus tard. Il s'agit de la modification principale apportée à la traduction de 1865. Le mais peut-être pour justifier sa décision initiale de faire mourir Évangeline, écrit dans la préface à sa deuxième version de la traduction, cette fois-ci présentée comme telle, et je cite, « Je n'ai jamais prétendu faire une traduction tout à fait littérale », fin de la citation. Le mais croit que chaque édition de cette traduction fait revivre les ruines. Il ne tente ainsi aucunement de dissimuler que les versions de 1865 et 1870, diffusées pendant une période clé de l'histoire de l'affirmation identitaire acadienne, ont été des transformations de l'original. Alors là, c'est un extrait de la préface là, au lecteur, et puis ce qui est le plus intéressant, puisse, et en rouge en bas, puisse avoir servi mon pays en faisant ce travail, puisse mon livre faire rejaillir un reflet de gloire sur mon cher Canada. Et là, c'est le Canada des francophones, c'est pas le Canada des Britanniques. C'est ce que j'envie par-dessus tout. Les manifestants de manipulation textuelle s'ordonnent selon trois catégories, les transformations relatives à l'ordonnance de la déportation aux soldats anglais et aux Acadiens, et nous regarderons rapidement deux passages. Mais avant, brièvement, là, l'histoire d'Évangeline. Le poème raconte les amours et l'odyssée d'Évangeline Bellefontaine et de Gabriel Lajeunesse, deux Acadiens déportés de la Nouvelle-Écosse en Louisiane, à bord des vaisseaux différents. Les familles étaient dispersées. C'était vraiment très cruel. C'est considéré à l'heure actuelle comme un génocide. Deux Acadiens déportés de la Nouvelle-Écosse en Louisiane à bord de vaisseaux différents au lendemain de leur fiançailles dans l'église de Grand-Pré en 1755. Il ne se retrouve que longtemps plus tard à Philadelphie. Il est malade et indigent. Et meurt très peu après, elle, sœur de la charité. Alors, regardons, là c'est l'original, parce que là je vais vous montrer là, les trois transformations, là, c'est vraiment très court. Waste are those pleasant farms and the farmers forever departed, in other words the Acadians and their farms, scattered like dust and leaves when the mighty blasts of October seize them and whirl them aloft and sprinkle them far o'er the ocean. And this part is not what tradition remains of the beautiful village of Grand Pré. That's in Longfellow, that is not reproduced. Alors, et là vous voyez là les changements, ils ont été chassés. Alors ça devient beaucoup plus agressif, ils ont été chassés comme sur une grève. En 1870, la haine des méchants. Alors là, ça commence, les Anglais, c'est vraiment, commence à incarner le mal. Et puis ça continue, la dernière édition, la haine des méchants, jadis, les a chassés. Les sables que le vent, ben là, c'est moins important de mettre l'accent dessus, mais le deuxième passage, ça devient vraiment... c'est lorsque les soldats sont arrivés à Grand Pré et mettent tous les hommes dans l'église, les enferment dans l'église pour qu'ils ne puissent pas se sauver. Alors là en anglais, ran through the house of prayer, the church, and high o'er the heads of the others, rose with his arms uplifted, the figure of Basil the blacksmith, as on a stormy sea, a spar is tossed by the billows. Flushed was his face and distorted with passion, and wildly he shouted, down with the tyrants of England, we never have sworn them allegiance. Alors là, on a, là il lève ses poings nerveux et rugissant ses mots à bas ses fiers anglais. Alors, et puis là, la dernière version, c'est et puis là, on voit la métaphore, mais on n'a pas le temps vraiment de regarder de près. C'est plutôt là pour vous montrer la transformation de l'image là, des soldats anglais là, en traduction. Death to those foreign soldiers who seize on our homes and our harvests, more he fain would have said, but the merciless hand of his soldiers smote him upon the mouth and dragged him down to the pavement.
qui devient beaucoup plus brutal en français, mais un brutal soldat à la mine sauvage le frappait sur le front d'un gantelet de fer, l'étendit à ses pieds avec un riz d'enfer. Alors vraiment, on diabolise là, les Anglais. Et puis ça continue, gantelet de fer, riz de mer, riz d'enfer. Dernière version, c'est et d'un coup sur la bouche, il le cloue au pavé, à vrai dire, il adoucit un peu là, la dernière version. Alors, là, c'est tous les. Je dois me limiter à quelques exemples. Alors, le passé maintenant de William Chapman. Chapman est né le 13 décembre 1850 à Saint-François de Beauce, soit 3 ans après la parution du poème épique de Longfellow, qui allait faire l'objet de traductions et de retraductions vers le français jusqu'à la fin du siècle et au-delà. Comme son nom l'indique, le père du traducteur en anglais, par contre, sa mère est canadienne-française, Chapman est ainsi né dans une famille exogame, ce qui lui impose le fardeau d'une identité double. Qui plus est, la municipalité Saint-François-de-Beauce est située dans le Canada-Est, lequel devient le Québec lors de la Confédération de 1867, l'élite francophone ayant des aspirations politiques ambitieuses et d'habitude bilingues. Notre sujet historique est élevé ainsi dans un environnement doublement bilingue. Le père de Chapman est marchand, mais son oncle, François Réal Anger, avocat et membre de la petite bourgeoisie francophone, participe à une culture de gens de droit fondée sur l'éloquence et l'écrit. Il est également auteur d'un récit romancé et de quelques poèmes d'inspiration romantique se rattachant à la réalité politique. L'oncle de Chapman travaille comme correspondant parlementaire bilingue chargé de rapporter des débats de l'Assemblée législative au Bas-Canada avant d'être nommé rapporteur officiel des débats de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada peu après avoir été reçu au barreau en 1837, je vous rappelle l'année de la révolte des Patriotes et l'année de naissance là, de Delemay. Poète romantique de 1836 à 1843, il délaisse la littérature quand il commence à s'investir dans sa carrière juridique. Si William Chapman termine en 1867 ses études secondaires au Collège de Lévis, il ne termine pas ses études en droit à l'Université Laval, où il passe 2 ans, après avoir travaillé à Québec comme clerc de notaire. La carrière en droit tracée par son oncle rejeté, le jeune Chapman opte plutôt pour une carrière littéraire, celle délaissée par son oncle. Installé à Montréal en 1883, Chapman travaille d'abord à La Patrie comme journaliste et traducteur jusqu'à 1884, pour ensuite travailler à La Mineure, de 1884 à 1889. Si La Patrie est l'organe du Parti libéral, La Minerve est un journal conservateur très influent. Que Chapman commence sa carrière en tant que journaliste confirme le constat de Delisle, à savoir on recrute les traducteurs parmi les journalistes. De retour à Québec, il travaille de 1892 à 1897 comme fonctionnaire au bureau du procureur général, puis comme commis au secrétaire de la province de Québec. Sous un pseudonyme, on en compte plus d'une dizaine, Chapman publie des vers satiriques caricaturant des personnalités du Parti libéral dans le journal Avant-Garde, ce qui lui coûtera son emploi de fonctionnaire en 1998. Curieusement, le style sarcastique employé pour écrire ces vers est absent du reste d'œuvre de Chapman, selon Jean Menard. Il se rend à Ottawa en 1898, où il réside pendant 4 ans, soit jusqu'en 1902. Dans la capitale, il est marchand propriétaire, comme son père l'avait été avant lui, d'une librairie magasin général. Avant de terminer sa carrière comme traducteur au Sénat, de 1902 à 1917, lors de sa mort. Il exerce ainsi la fonction de traducteur au Sénat pendant 15 ans et son travail de traduction officielle reste sans reproche. En 1870, quand le jeune poète fête ses 20 ans, paraît le poème « Reste toujours petit » dans la Revue canadienne de Montréal et en 1873, il participe au concours de poésie organisé par l'Université Laval. Son poème « L'Algonquine » lui mérite une mention. En 1876, William Chapman publie
les Québécoises. Ce recueil compte en plus d'une sonnette dédiée à Longfellow, six traductions partielles ou complètes de poèmes du grand poète américain. Et là, vous voyez la liste. À la légende dorée, chute du jour, Excelsior et crépuscule, un rayon de soleil, le forgeron du village, qui sont ainsi intégrés dans le patrimoine littéraire canadien-français. C. Chapman dédicace bon nombre de ses poèmes aux écrivains canadiens et français célèbres et rend hommage à Henry Wadsworth Longfellow en le traduisant. Dédié un poème selon Manon Brunet, et je cite, annonce déjà une pratique qui deviendra la marque de commerce éditorial du poète au fur et à mesure que ses ambitions grandiront. La très grande majorité des poèmes sont dédiés à des écrivains déjà en place dans le réseau littéraire, tels Casgrain, Soult, Macpherson Lemoyne, et les références à Crémazy, Longfellow, dont il traduit en français plusieurs poèmes, Musset, Hugo, Vieillot, Thomas Moore, Gautier, Théophile Gautier annonce le style à la fois romantique, patriotique et plutôt conservateur qui caractérise son écriture. Fin de citation. En 1890, le recueil Les Feuilles d'érable s'avère une importante création poétique de langue française de la fin du siècle, jouissant d'une réception plus chaleureuse en France qu'au Canada. Au Breton, paraît à Ottawa en 1905, alors que les trois recueils, Les Aspirations, Poésie canadienne, Rayons du Nord, Poésie canadienne et Les Fleurs de Givre sont publiés à Paris en 1904, 1909 et 1912, respectivement. Chapman est reconnu comme un poète principal de l'École de Québec, au même titre que Fréchette, Crémazy et Pamphile Lemay. Même avec un nom anglais, à vrai dire, c'est pour ça qu'il a été occulté, je crois, pendant un bon nombre d'années. Les quatre poètes ont abordé généralement les mêmes thèmes, à savoir le patriotisme, la religion et l'amour de la langue. Ces thèmes sont omniprésents dans l'œuvre de Chapman, quoique l'exemple le plus célèbre soit notre langue. De notre côté, on retrouve les mêmes thèmes dans l'œuvre de Longfellow, le nationalisme américain, la religion puritaine, la nature et l'amour. Très ambitieux, Chapman est titulaire de nombreux prix, dont l'officier de l'instruction publique de France, deux médailles et trois diplômes d'honneur de l'Académie des Jeux floraux de la France et un doctorat et lettres honorifiques de l'Université d'Ottawa, la consécration de sa création poétique. Or, il n'obtient pas le prix qui convoite le plus le prix Nobel. Il n'empêche que c'est la promotion de la langue et de la culture française qui lui tient à cœur et que c'est en France où William Chapman sera couronné de la médaille d'honneur du concours de l'Académie des Palmiers. En 1904, Les Aspirations reçoit le prix Archand des Péruses de l'Académie française et en 1910, le recueil Rayons du Nord lui vaut un deuxième prix de l'Académie française. Les Québécoises, œuvre de jeunesse oubliée et d'un poète oublié. Rappelons que c'est le premier recueil de Chapman et que c'est celui qui contient les six traductions de Longfellow. Il pouvait s'inspirer de Pamphile Lemay, traducteur d'Évangeline, dont la traduction fait partie de ses essais, comme nous avons vu. Selon les critiques littéraires Jean Ménard, les deux premiers recueils de Chapman ne manqueront pas d'impropriété ni de construction lourde. On lui a souvent reproché de mal s'exprimer, même si ses recueils et essais plus tardifs confirment qu'il maîtrisait bien la langue, ce qui en témoigne par ailleurs le grand nombre de prix que ses œuvres lui ont valu. Pour sa part, Laure Riez est d'avis que la poésie de Chapman est alourdie par son emploi de mots du terroir. De plus, il ne fait pas fi de termes anglais, ce qui est peut-être révélateur de l'influence du père anglais et d'une famille bilingue sur la création du fils, surtout en début de carrière. De la vie de Jean Ménard, les Québécoises sont l'œuvre d'un débutant. Le jeune poète abuse de l'inversion, ce qui donne une allure gauche à plusieurs poèmes. Les chevilles maladroites abondent, des fâcheuses répétitions agacent et des images incohérentes déparent le recueil. Il y a des exemples, mais je préfère la passer un peu plus de temps sur les traductions. Alors, de plus, c'est une intervention. La traduction est ainsi la création d'un apprenti poète.
Alors je crois que ça peut en bon beaucoup aider à comprendre pourquoi il traduit, et c'est tout en vue d'améliorer sa création poétique. Alors là, quand je parle d'apprenti poète, je reprends les mots de Pedro Serrano, qui a fait une allocution lors du colloque de l'ACLA cette année. De plus, c'est une intervention dans le poème. Nous verrons que la traduction des poèmes de Longfellow permet à Chapman de travailler cette technique en traduisant les poèmes dont les thèmes de lui ne sont pas étrangers, ce qui aide beaucoup parce que là, il peut quand même s'y reconnaître. Alors, commençons par le sonnet, qui n'est pas une traduction, mais ce serait assez clair là, l'intérêt, là, c'est que c'est un hommage. Poète, l'autre jour, nos forêts infinies sentirent sur leur sein courir un doux frisson. L'air printanier s'emplit d'étranges symphonies et l'aigle interrogea du regard l'horizon. Et je vais aller jusqu'au dernier strophe. C'est alors barde aimé dont la lyre divine sut immortaliser le nom d'Évangeline. Ton pied s'était posé sur le sol canadien. Alors là, il reconnaît l'importance là, de Longfellow, mais en le reconnaissant aussi, il rend hommage à Pamphile Lemé qui a traduit. Alors, mais, et puis c'est un sonnet vraiment classique en alexandrin, les quatre versets, deux quatrains et deux strophes là, de trois vers. Alors c'est vraiment un sonnet classique qui s'est réussi. Il produit la traduction. Bien, comme je vous ai montré, on assiste, on regarderait rapidement une traduction. C'est la traduction de A Gleam of Sunshine, Un rayon de soleil. Il réduit le nombre de strophes de 14 de l'original à 12 en français. Si on commence à regarder de près, il y a des changements. Il y a des modifications dans la traduction, mais on peut beaucoup expliquer en termes de rimes et de versification. Alors, mais ça change quand même un peu la teneur du poème, là, le message, surtout par certains choix de couleurs. Aussi, le maître est différent, mais il n'empêche que c'est fixe. Malgré tout. Alors là, en français, on a 12, 6, 12, 6, et puis en français, 8, pardon, en anglais, c'est 8, 6, 8, 6, les vers, et puis en français, 12, 6, 12, 6. Alors, si on accepte qu'un poème n'est que la forme, il n'a pas de contenu, les modifications vraiment mineures là apportées, on serait justifié à dire quand même que la traduction est réussie parce que c'est un poème, c'est esthétique. Alors pour ce qui est des petits changements, et peut-être c'est plus, il ne faut pas oublier que Longfellow il est puritain et Chapman catholique. C'est très intéressant que Longfellow n'identifie jamais que l'ami du jeune homme, c'est une femme. C'est compris, parce qu'on parle d'une robe, là, elle porte une robe, mais ce n'est jamais précisé, alors qu'en français, c'est très clair. C'est une jeune fille, et puis ce qui n'est également pas dans l'original, c'est lui donnant la main, mais est-ce qu'il a fait ce choix pour fin de rime, parce que c'est main chemin. Alors c'est toujours là lorsqu'on étudie la poésie, il y a les pertes et les gains, et puis on ne peut pas vraiment critiquer, c'est inévitable là, lorsqu'on fait de la poésie. Le résultat quand même est un poème assez réussi en français, même si on le critique de ne pas d'être les plus encore là les plus réussis. C'est une autre transformation quand même et un peu frappant en anglais.
il y a des références à la pureté, la blancheur et puis à la verdure. Et puis en français, et encore peut-être pour fin de versification, beaucoup de rouge. Et puis c'est beaucoup plus passionné. Alors ça change un peu la teneur là, de la du poème. Alors rougeur du soir, flamme, et puis rose en pourpre. Alors, mais dans l'ensemble, ce sont mineurs. Là, c'est un très, c'est un joli poème. Alors, je crois qu'en étudiant les poèmes, on serait peut-être moins critique qu'on est de ces créations poétiques à l'époque. Alors, mais on voit qu'en fin de carrière, là, il est très accompli. Alors là, la traduction a servi comme entraînement, comme formation. Lemay, en guise de conclusion, Lemay affirme dans sa préface à l'édition de 1870 de l'Évangeline, et je cite, « Si mon livre a du mérite, ce mérite est dû à mon amour de cette langue, de cette foi, de ses coutumes que la France nous a léguées, seul héritage que nul n'a pu nous ravir. Il est dû aussi à l'intérêt que je porte à l'Acadie, cette sœur du Canada qui si indignement traitée par ses vainqueurs. » Fin citation. Toutefois, nous l'avons vu, Lemay n'est pas le premier à raconter cette histoire tragique. C'est plutôt le poète américain Longfellow, lequel a puisé son inspiration dans les grands espaces de l'Amérique, la spiritualité chrétienne et les héros locaux. Des petites cultures, surtout lorsqu'elles sont opprimées, s'appuient parfois sur les grandes cultures prestigieuses pour se valoriser. L'appropriation de l'histoire par Lemay, membre précoce de l'École de Québec, a participé à la légitimation et à l'épanouissement de la littérature nationale canadienne-française. Et Chapman, lui aussi, se réclamant du romantisme et de la nature hédonique du Nouveau Monde, rend hommage à Longfellow dans le sonnet publié dans les Québécoises. Ce recueil marque le début d'une carrière littéraire qui sera couronnée de plusieurs prix décernés par la France en reconnaissance de sa spécificité et de sa contribution à la littérature nationale canadienne-française. Malgré les tiraillements identitaires qui semblent avoir hanté Chapman jusqu'à la fin de la vie, il maîtrise sans conteste sa langue française, surtout pendant la deuxième moitié, ses multiples prix faisant foi. On peut raisonnablement attribuer l'amour de ce dernier pour la langue française à la parenté de sa mère, surtout à François Réal à Angers. Nous avons vu que pendant sa jeunesse, l'apprenti poète se sert de la traduction de la poésie pour travailler sa technique littéraire et que sa stratégie était plutôt libre, mais il y avait des contraintes. Et alors là, c'est assez minime quand même. D'un autre côté, il a participé de façon dynamique et parfois polémique à la vie littéraire de son temps, grâce surtout à son travail de création littéraire, la traduction littéraire ayant été délaissée à la suite de la traduction des 6 poèmes de Longfellow. Après une longue période d'oubli, on remémore la contribution de Chapman à la vie littéraire de son temps comme un membre important de l'École de Québec. Traduire en début de carrière Longfellow, poète nationaliste célèbre américain, auteur d'Evangeline, traduit avec beaucoup de succès par Pamphile Lemay, a sans doute conforté Chapman dans le bien fondé de son propre projet littéraire et de sa démarche. Obrigada. Muito obrigado, Denise. É um primeiro contato nosso aqui, né, da poète com o universo canadense e a importância desses dois tradutores e escritores. Nós também, na organização dos eventos, a gente ainda não está muito acostumado a lidar com o francês e o inglês, né? Nos próximos eventos a gente vai possibilitar, digamos, o acesso aos textos em português também, que facilita. Né? Aqui eu tinha até pensado passar a tradução, mas ela tinha a ilustração. E também com a tradução seria 2 horas, né? Seria 2 vezes 50 minutos, seria complicado. Mas, então fica aberto agora a parte de perguntas. Avez-vous pu suivre? Parce que c'était. Ah, oui! Oui, oui! Oui, oui! Ah! Oh! Oh, c'est parce qu'il est. Oui!
Oui, servez-vous, s'il vous plaît. Porque ele tinha tanto pseudônimos? Oui. Non, c'est une très bonne question. C'est parce que quand il écrivait un vers satirique, il se cachait derrière. Et puis parfois aussi des autres publications. À l'époque, on se savait parfois. D'abord, il a travaillé pour un périodique libéral, et puis ensuite conservateur. Et puis quand il a commencé à critiquer les. Qui Chapman? À vrai dire, je crois à cette époque on savait quand même, c'était le milieu était très petit. Alors là, on aurait su là que c'était là le neveu de Réan, de Réal Angers. Alors, mais c'était plus là, ses opinions. Il pouvait être assez caustique. C'était pour se cacher. Je ne sais pas, à vrai dire, je ne l'ai pas étudié, c'est une bonne question, mais je ne crois pas que ce soit lié là ou non. C'est vraiment plutôt les opinions. Il a eu, mais là, c'était pas, il ne s'est pas servi d'un pseudonyme, ce qui est curieux. Et il y a eu une polémique avec Louis Fréchette. Louis Fréchette, c'était le grand écrivain de l'époque, qui a joué de beaucoup de succès en France, et puis Chapman était jaloux. Il était un homme très, très, très jaloux. Très ambitieux, jaloux, et puis je crois qu'il était complexé à cause de sa famille, d'avoir eu un père anglais. Et aussi son père, c'était un marchand. Et puis quand même, c'était respectable, mais c'était pas un professionnel. C'était pas avocat, juriste, comme son oncle. Alors, il était alcoolique, et très vraiment, il avait beaucoup de problèmes. Alors parfois, il publiait là des vers, là des éditoriaux là sarcastiques. Et puis, c'était pas le seul à se cacher derrière là un pseudonyme. Mais on en voit 12 quand même là. Ça, c'était beaucoup. Et là, aussi après un moment, quand quelqu'un se cache derrière les pseudonymes. Ça donne une idée. Il a dû les changer parce qu'on a commencé à reconnaître, à savoir là, qui avait publié à cause du choix du pseudonyme. Alors là, quand il craint qu'on reconnaît, il doit changer le pseudonyme. Changer 12 fois, ça veut dire là qu'il a dû mettre beaucoup de gens à dos. Il a dû choquer bon nombre de personnes. Alors, il pouvait être polémique. Mais ce qui est intéressant, quand il est traducteur là au Sénat, il n'a pas eu d'ennui. Là, il s'était calmé, là, il était fin de carrière, là, il avait gagné les prix. Michel perguntou por que ele usava tantos pseudônimos, né? 12. Você pode resumir, Michel? Que ela respondeu. Mas, logicamente, que esse é o momento, logicamente, que a Denise se exaltou também, né, fala muito rápido, mas, logicamente, que esse período do Canadá, eu acho que vocês puderam ver, né, pelos mapas ficou muito claro, e eu acho que não é muito claro para a gente no Brasil, a gente vê o Canadá, logicamente, agora já está super estabelecido como país, né, mas nesse período aí houve uma série de mudanças, né, e, inclusive, uma deportação, né, dos canadenses de língua francesa. E o que a Denise fala justamente na conferência dela, né, é esse período aí de estabelecimento da identidade canadense, que no primeiro momento era francófona. Né? Então aí, esse é todo. Nós vamos publicar depois a parte bilíngue, né, do texto. Ah, oui. Ah, oui, c'est bien ça. C'est une petite histoire du Canada. E a gente não conhece, né, o Canadá. Embora tenha havido muita colaboração nas últimas décadas, eu acho que na parte de sua tradução, realmente a gente não. Essa relação entre a constituição da nação, né, os escritores e a tradução, isso acho que é pouco conhecido no Brasil, nos periódicos, né, acho que não aparece. Apareceu muito mais a literatura canadense, principalmente a literatura quebequense, né, de fato. Teve alguns grupos na UF, na URGS, né, que estiveram ligados. Mas na parte da tradução, acho que a gente está começando. Daqui a pouco, o que parece agora para a gente tão estranho vai se tornar bastante familiar. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Michel. Perdão,
E uma outra pergunta sobre as mudanças de cores, né? Que ela falou, né? Do branco, né? Do, uma questão mais pura, né? As cores mais puras norte-americanas. E quando chegou na tradução, mudou para vermelha, rosa. Eu queria saber mais sobre essa questão. Ou seja, j'ai me réussi de monter sur les questions de couleurs. Oui, dans la traduction. Alors, vous pouvez dire un petit peu davantage à ce respect. Ah, oh, oui, oui, d'accord. Ah, ben, c'est souvent, là, c'est vraiment lié. Mais on voit. En anglais, c'est plutôt blanc. Ouais. Et, en français, on voit rose, rouge. Oui, et puis c'est très lié, il faut dire là la rime, là souvent c'est la rime ou le mettre. Parce que là, il faut avoir le bon nombre de syllabes. Mais par exemple, à vrai dire, il n'y a pas de temps. Thy, and it's very formal too. Thy dress in 19th century English, that's very formal. And as well, there is no direct reference. Il n'y a pas de référence directe. Would you prefer me to speak in English? There's, oh yes, oh okay. If you'd like, there's no direct reference to this person. I mean, you understand that it's a woman or that it's a young girl, but it's not. It's never explicit in the Longfellow's poem. When you compare, sorry, what am I doing here? Sorry, I beg your pardon. When you compare to the French, here you've got, first of all, he says very clearly that he's referring to a young girl and that he gives her his hand. So they're obviously very affectionate. They're very close because you have to understand 19th century, you did not just hold somebody's hand very easily. I mean, it was very, very... Canadians were as Puritan in some ways as the Americans, so that meant that they were almost, that they were engaged more or less. And then you get, and it was for dans les rougeurs du soir. Well, you could have said blanc. Well, for one thing, it wouldn't work because he's got his rhyme. Ville, this is a false one. Ville, fille, chemin, main, brune, lune, à soir, soir. His rhyme is consistent, as well as the, as I already mentioned, the rhythm. So in order to get his, what did I say it is here? It's six. Dans les rougeurs du soir, or is it eight in the French? Dans les rougeurs du soir. Oui, it's six. It's always six, so he needed to get the six, so he used rouge, rougeur du soir in part. But then when he started to add up the different references, and then here, l'âme de cet enfant, it's a reference to a child, était candide et pure, débordante de foi, foi moi, pure verdure. So you see, he's very disciplined with his rhyme, and he expresses that it's an angel, but there's no reference to white, it's just, but the purity is there, candide et pure. In the next, there's nothing that stands out, but when we're referring to the preacher's sermon, the good man's sermon, long était le sermon du pasteur plein de flammes. But there he needs, he's got his 12 feet, so he needs a longer, he has to modify the sermon, and he does it with plein de flamme, which you often associate with passion. So you've got already the rougeur de nuit, la flamme, et puis I still thought of thee, il excitait l'amour. So it's really, it becomes much more explicit in French than in English, and especially with the red. No longer, and in French, elle m'a fui. À vrai dire, il a dû avoir un chagrin d'amour, parce que c'est assez passionné. No longer there, Longfellow is very almost matter of fact, and in the French, elle m'a fui. And then we've got souvenir rose, when he thinks of her, dors mon cœur éteint, his heart is dead.
En pourpre, le lointain, you've got this really purple, very deep red, and there's none of the distance. So it's much, the French comes across as much more passionate than the English. And I have to remember, too, that Longfellow was Puritan, and Chapman is Catholic. And even if there are conventions of the time to express love in a poetic way is exceptional, more so than in an American poem of the time. So, just to say, Edemper, does that help? Is this the difference between the two? Oh, je vous en prie. Bon plaisir. Mais alguma pergunta? Agradeço. Se não houver mais perguntas, vamos então encerrar o evento. E o colega Rafael vai encerrar o evento. Muito obrigado, hein? Então, gostaria de agradecer, em nome da Poete, a todos os participantes do primeiro colóquio Poesia e Tradução, aos nossos alunos, alunos de outros cursos, colegas que prestigiaram, colegas convidados que nos honraram com a sua presença, à comissão organizadora, à comissão de monitores, ao comitê científico, ao DLE, ao CH, ao apoio da CAPES e da FUNCAP, ao apoio do site Literatura BR do Natan, ao apoio dos grupos de pesquisa CNPq, Estudos Literários da Tradução e Tradução e Recepção dos Clássicos. Indubitavelmente, sem vocês, esse evento não se realizaria. E pegando emprestado a poesia de Walt Whitman, o que é de bom entre eles? Ó eu, ó vida, que você está aqui, onde há vida e identidade, que o poderoso espetáculo continue e você pode contribuir com um verso. Encerrado, então, o primeiro colóquio Poesia e Tradução da Poete.